Oh là là, qu'est-ce que j'ai froid! Ce matin, je tente de reprendre un peu les travaux, mais c'est pas évident avec les 4 degrés ambiants de l'extérieur. Il fait ciel bleu, mais 4 degrés. Du coup, c'est pour ça que le moteur tourne. J'ai mis un peu de chauffage. Pour l'instant, je fais comme ça, hein, puisque j'ai pas d'autre solution. Histoire que ça soit un peu plus agréable, un peu plus simple de travailler dans le fourgon. Bref, concernant mes travaux dans le fourgon. Je vais reprendre ce que j'avais commencé hier, à savoir ici, j'avais commencé à mettre l'anti-rouille, donc ça c'est terminé, et je vais pouvoir mettre la peinture blanche, de manière à faire la protection anti-rouille comme il faut, aussi bien sur le sol, l'ancienne paroi de séparation, que sur la tranche latérale des deux côtés, ici et ici. Voilà, c'est là où était fixée la paroi de séparation entre la cabine et la partie chargement. Autre point, tant qu'à être ici, c'est que j'avais de l'eau qui stagnait ici. Alors, cette nuit, il a plu énormément. A priori, je ne sais pas d'où vient l'eau qui a stagné ici. Je ne sais pas si c'est l'humidité ambiante, puisque j'ai lavé hier, il y avait l'humidité ambiante qui est donc retombée ici, ou bien s'il y a une fuite quelque part. Il faudra que je cherche un peu plus. Ce qui est sûr, c'est que côté lanternon, les deux lanternons, côté fenêtre, aucune trace de fuite. Donc pour ça, je suis très content. Et enfin, je vais terminer ce que j'ai repris, ce que j'ai commencé aussi hier soir, à savoir la construction, enfin la rallonge de mon câble de caméra de recul, puisque j'ai un rétroviseur Android qui va être positionné sur le rétroviseur. Le rétroviseur, il ne sert que de support pour le rétroviseur Android. Et donc mon câble fourni avec mon rétroviseur Android n'est pas assez long, forcément sur des fourgons 7 mètres de longueur. Voilà. Donc du coup, hier soir, je me suis pris la tête pour refaire des connexions, pour faire un test. J'ai réussi à tout refaire fonctionner et surtout à faire passer le câble dans le longeron, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, jusque là-bas au fond. Voilà le bout de mon câble caméra. Et après, ben là, il va falloir que je le fasse venir par ici, que je perce probablement et que je fixe la caméra derrière ça. Voilà pour les travaux prévus en ce beau dimanche bien froid d'automne et non pas d'hiver, même si on a des températures d'hiver. Voilà.